Nous, les ambassadeurs de l'Union européenne, sont allés voir le président à titre d'intérim du Sénat. Et il y avait d'autres sénateurs, le sénateur Latortue et deux autres, les noms je ne me rappelle pas. Et on a discuté de l'environnement politique, vu l'accord du 5 février. On a essayé de voir les trois signataires de ce contrat. D'abord, on a rencontré le président provisoire. Et maintenant, c'était le Sénat. Et on espère toujours pour avoir un rendez-vous aussi avec la Chambre des députés pour en discuter. Quelle est votre préoccupation? Notre préoccupation est qu'on n'aille pas aux élections, comme prévu dans l'accord. Déjà, les dates, on ne peut pas les tenir. Et on parle beaucoup de cette commission de vérification qui n'a pas encore été constituée. Mais si l'on le souhaite du président provisoire, la commission doit se faire. Et bon, on a discuté sur la légalité d'une telle commission. Quelle est la place d'une telle commission vis-à-vis du CEP, qui doit organiser en principe, selon la Constitution, les élections. Et bon, le rôle de tout le monde dans ça. Mais je crois qu'on a eu l'impression aujourd'hui que les honorables sénateurs, eux aussi, ils poussent pour que le pays va aux élections au plus vite possible. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui.